Merci aux clients fidèles, j'accumule les billets. Merci aux clients fidèles. Est-ce que les paroles même sont? Merci aux clients fidèles, j'accumule. Ok. Merci aux clients fidèles, j'accumule. Karim Banks. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la même chose. Ah, les bonbons sont remplis de coca. Slash. Bon les gars, on est aujourd'hui à Lamborghini. Slash. Lamborghini. On va visiter des Lambos. La dernière fois, on est allé à Rolls-Royce. Hein. De base, on n'était même pas censé aller à Rolls-Royce. On est allé à Rolls-Royce, pas par accident, mais c'était même pas prévu d'aller à Rolls-Royce. De base, nous, on voulait aller à Lambo. Ça fait longtemps qu'on a prévu Lambo. Ça fait genre 4 mois qu'on a prévu d'aller à Lambo. On n'y est jamais allé parce que Lambo est à peu près 1 heure de chez nous. 1 heure de chez nous. On a fait à peu près. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va vite, au fait. Ouais, on va prendre cette route. 1h05. Elle m'a l'air facile, je te dis. Genre, c'est juste tout droit. Ok. Genre, il n'y a pas de genre. Des tours et tout. Ouais. La raison pourquoi on n'est jamais venu, c'est besoin d'école. Donc, des fois, il a école et on n'arrive pas à vraiment trouver un moment pour y aller ensemble. Des fois, j'ai école et les samedis et dimanches, ils ne sont pas ouverts. Donc, là, on ne peut pas vraiment aller à venir à Lamborghini visiter les voitures, quoi. Mais on est en semaine aujourd'hui. C'est ouvert et on s'est dit qu'aujourd'hui, c'est le moment. Sinon, si on n'y vient pas aujourd'hui, on ne va jamais venir aussi, au fait à Lamborghini. Donc, on a vu pas mal de belles voitures là déjà. On espère qu'ils vont nous laisser entrer. Dans le parking, ok, les gars, je vais vous dire. J'ai vu une Mercedes, une Lamborghini déjà, comme une Porsche. J'ai vu déjà plein de voitures. Il y a plein de voitures dehors déjà là. Mais il y a une Hyundai. Ouais, mais. Qu'est-ce que Lamborghini fait avant des Hyundai, bro? Mais on sait pas. J'espère juste qu'on a le droit de garer ici. Et encore, je me sens insulté comme la dernière fois. Je me sens encore insulté comme la dernière fois. Une Hyundai. Oui! Qui vient de venir. Oh, dis moi de la mienne! Oh putain de merde. Pourquoi tu insultes ma voiture? Là, il y a des gens là, toi, les travailleurs de Mercedes là, Lamborghini, ils appellent leur supérieur là. Hey, bonjour chef, c'est bizarre, il y a une petite Hyundai bizarre là qui vient d'arriver dans le parking là, alors qu'il est stationné à côté d'une Porsche bleue 2024 pour tout clip. Puis ici, ok, ouf, lui c'est un Acura. Oui, il y a un Volvo, c'est bon. Oh, il y a des Hyundai, ok, non, c'est ça. Et okay. Il y a une Acura, c'est ça, je suis pas le seul là. Ah, pour avoir l'air plus professionnel aussi, moi j'ai amené un. Je reste comme ça, sois honnête. Lequel? Mais je reste comme ça, t'as pas vu? Il y a des gens qui visitaient Lamborghini seulement avec leur enfant. J'ai amené un costard là, pour avoir l'air plus professionnel. Non. Hein? Non. Ils vont dire, je force. Ouais, là tu forces. Je reste comme ça? Ouais. Ok. Bon, on y va les gars, on va visiter ça. Mais ça fait vraiment. Lamborghini! Ça fait vraiment longtemps qu'on attend ce moment. Lamborghini, oui! Lamborghini! Lamborghini! Une de mes Lambos préférées est là, et je suis vraiment stressé de la voir là. Je suis vraiment stressé, bon. On y va. Here we go, les gars, here we go. Merci aux clients fidèles, moi je suis beaucoup trop fidèle. Merci aux clients fidèles, les gars, on va commencer. Bon, les gars, est-ce que vous allez bien? Regarde, montre le logo, Mercedes, zoom un peu. Montre-leur. Ah, j'ai dit Mercedes, pourquoi je dis Mercedes? Lamborghini. Ouais, Lamborghini. On va aller là, et puis on va commencer déjà avec ça, qui est une belle Porsche. Une Porsche. Cayenne, je pense. Porsche, non, ça c'est pas une Cayenne. C'est une Porsche. Attends, bouge pas. Tu vas vous dire ça tout de suite? Bon, je vais faire le professionnel, ok? Bon, les gars, c'est une Porsche GT4, 700 turbo. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu ris? Et Tom. T'inquiète, on a le droit. On a le droit de voir, non, et toucher et tout. Genre, en soi, genre. Si quelqu'un travaille ici, elle sait que c'est des belles voitures, tout le monde va vouloir venir voir les voitures. Yes. Yo. Lamborghini. Tu vas en acheter un en vrai en Afrique, bro. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Laisse-moi voir c'est quoi elle. Mais en vrai, quelqu'un qui conduit ça en Afrique, bro, c'est tellement insultant. What? C'est quoi ça? Lotus. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, bisous pour de vrai, attends, c'est moi qui vais le faire, c'est moi. Bonjour monsieur, j'aimerais acheter genre une voiture genre rapide mais genre comme qui est neige genre comme qui a du fer en soi, vous me comprenez? Qui est fort. Répète. Qui a du quoi? Comme qui est gros. Qui est puissant. Qui est puissant. Qui est puissant. Puissant. Yes. D'accord. Monsieur, je vais vous j'ai une voiture, j'ai deux voitures pour vous, ok? J'ai ma voiture préférée, c'est la Lamborghini Urus 2019. C'est elle? Ouh. Ouais. Elle est très belle, c'est genre une de mes voitures préférées. Ouh. C'est ma voiture préférée là. C'est un gros bolide. Elle a, oh, son arrière aussi, il est gros, bro. Venez voir ça. Il y a 5 places? Oh, parfait. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Venez voir l'arrière, s'il vous plaît. Regardez-moi cet arrière, beau. Ça, c'est pas beau, ça? Regardez ce big body, bro. Oh my god.
Non, j'ai pleuré, bro. J'ai pleuré, bro. Regarde ça. Regarde la roue. Regarde la roue. Mais je crois que c'est pour un employé. Oh, shit. Pour les clients. Donc, c'est à quelqu'un qui travaille ici. La Lamborghini russe, c'est vraiment une de mes Lamborghini préférées. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec cette Lamborghini-là, mais je l'ai toujours aimé. Je l'ai toujours aimé. Souris un peu, non? Lamborghini. Ah, bouge pas. Enlève tes mains. Dis Lambo. 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 Lambo, eh. Lambo, eh. J'espère que tu vas bien. Hein? T'es mon belle. J'espère t'avoir dans quelques années. Ok? Trop belle. Je vais y aller là, mon petit frère est fâché, ok? On y va. Je vais y aller, ok? On y va. On se retrouve après, ok? On y va. Ça sent bon, quoi. Ça sent genre le nœud. Professionnel. Ça sent, ouais, ça sent. Le prix. Hein? Le price. Tu trouves c'est combien? C'est moins cher qu'une. Moins cher qu'une Rolls-Royce, en tout cas. Ah oui? On va aller voir ça. Hein. Là, on va aller voir. C'est deux. Regardez ça. Première voiture qu'on voit, elle est à 600 000 $. Première voiture. Check. Check le prix ici. Celui-là, il est pas si cher que ça. Ceux qui se connaissent dans les commentaires, dites-le. C'est quoi la différence entre Huracan et Aventador? J'ai jamais été attiré par les Lambos à deux places. Moi, j'étais attiré par ça, pas une Urus comme ça, mais une voiture comme ça, je sais pas. 1 million de dollars. Oh my god. Oh, première fois qu'on a vu ça. 1 million de dollars. Oh, shit. Aventador 2022, bro. What? Les gars, ça, c'est 1 million de dollars. 1 million de dollars, les gars. Je vais demander si on peut rentrer ou pas. Ouais, est-ce qu'on a le droit de rentrer? De regarder dans les autos? Moi, je ne sais pas les toucher parce que ça sonne. On peut juste prendre des photos devant et tout. Sinon, ça sonne, c'est ça? Ouais. Elle dit qu'elles sont tous barrées et puis il y a beaucoup qui ont des alarmes. Et dès qu'on essaie de les ouvrir, elles peuvent sonner. Pour te choquer, pour me choquer, ok, il a dit il va me choquer. On a vu le prix là-bas, c'était près de 1 million de dollars, 900 000 dollars. Il dit il va me choquer. Ne me dites pas, les gars, que c'est inscrit pour cette voiture-là à 1 million de dollars. Ne me dites pas ça. On voit le prix là. What the fuck? Attends, encore plus de fuck. What the fuck? Yo! Wow! Oh! 1 million de dollars, bro! 1 million de dollars! What? Bro! Non, impossible! Impossible, les gars! Oh non! Les gars, attends! Devinez dans les commentaires live le prix que je viens de voir! Les gars, regardez ça! C'est le 2021, j'imagine pas la 2024 ou 2023. Attends, viens, on va voir l'intérieur. Mais où est la différence? Où est la différence? Je comprends pas. Non, touche pas, pardon. Pipon, pipon, ça va sonner. Non, je pense que si tu essaies de l'ouvrir, ça va sonner. Mais tu peux toucher là. Ça, c'est mon bolide. On va voir. Ouais, ça va, ça va. Ça, c'est mon bolide, les gars. Hein. C'est clean. Check moi, c'est. Hein? Tellement beau. Tu vois les vitres teintées aussi, hein? Mais regardez ça. Dans quelques années, je vais t'avoir, ok? Ok, Chose, ok? Juste attends-moi ici, puis je vais venir te chercher, d'accord? Ça fait longtemps que je pense à toi, là, et puis vraiment, je sais que tu vas bientôt faire partie de ma vie. Ok? Ok, je t'aime. C'est bon, j'ai parlé un peu. Tu vois l'intérieur? Hey, bijou! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait, les gars. Il a mis ses traces. Ils ont fait des empreintes d'eau. Regardez comment la voiture est clean. Regardez ici les traces de mer. Ah? Ça part pas. On fout, oui. Bon. Oh my god! Bijou, les gars, on a vu un pire prix. Moins bien que eux là-bas. Les gars, regardez le prix. Regardez le prix, s'il vous plaît. 5 millions de dollars. Les gars, 5 millions de dollars. C'est pas fini. Non, attends, c'est pire. J'ai pas vu celui-là, bijou. C'est pire? Non, c'est la même chose. Ok. 5 millions de dollars. Dis-toi que ça. Ça te va? Ça? C'est 15 fois plus ou je sais pas combien. Qu'une Urus. Une voiture comme ça.
15 fois plus, qu'est-ce que tu dis? Ah, ok, 4 millions. Non, 5 fois plus. Ah non, non. 300 000 fois 7. Fois 7, 2 millions. Fois 10. 5, je vais faire le calcul. 5 millions. Fois 10, 3 millions. Divisé par 300 000. À peu près 7 fois plus, 8 fois plus. 15 fois plus. Ah, t'avais raison. C'est ça? C'est sûr. Le plein d'essence coûte 300 $. Ah, fois le plein. C'est pour moi. Et ça, ça c'est deux personnes, tu peux pas conduire avec ta famille. Tu vas vraiment dépenser. C'est combien? Oh, disons c'est 4 millions, ok? Non, ça c'est sûr que c'est pire que ça. C'est beaucoup plus détaillé que celui-là. Donc, juste, tu vas dépenser, disons 6 millions de dollars pour une voiture dans laquelle tu peux pas être avec ta famille. C'est ça. Je comprends pas. Genre, mais c'est pour les riches. C'est ça, ça. Qui sont devenus genre trop riches et là ils sont fatigués. Genre, ils sont entre guillemets fatigués. Oh, celui-là il est ouvert. Ça c'est le meilleur. On va voir, on va voir. 2023 en plus. Hein? Tout ce même est terrible. C'est ça? Ou bien? Ma bitch, ma bitch. Ma bitch. Ma bitch. Ma fogging. Attends, viens, on va aller voir, on va aller voir. C'est quelle voiture? Bien. Yes. What the fuck? Attends, c'est parce qu'on passe à côté? Oh, il y a quelqu'un à l'intérieur! Oh, ok! Il y a quelqu'un à l'intérieur, bro! Wesh! Ouais! Peur, bro! La Lotus, c'est une nouvelle voiture? C'est une nouvelle. C'est tout nouveau? Ok! Il a dit, c'est le bon! C'est juste beaucoup d'essence, bro! Hein? Ça sent l'essence, bro! Bisous! Il a dit, t'as entendu, non? Il a dit quoi? Va sur le site internet, tu vas voir, il y a trois nouveaux modèles! Comme si je vais acheter, bro! Lotus. Waouh. Regarde comment elle est. Ça c'est aussi. Le corps c'est aussi. Ça? Ça c'est. Ça. Puis regarde c'est black mat. On voit rien. Black mat. Toi t'aimes vraiment black mat hein? Ah oui, c'est teinté. On voit rien du tout. All black. Ça c'est mon style, ouais. All black oil. Ça c'est mec. Oh, ok. That's good. 800 000 dollars, bro. Et je dis-toi que quand tu vends 800 000 dollars, hein, pour mettre les taxes et tout. C'est ça. Donc 5 millions de t'as dollars. À peu près 1 million. De, ouais, 6 millions. Ça, c'est à peu près 1 million. Ça, c'est pas mon site du tout. Ça fait quoi sur le Lamborghini? C'est dégueulasse, bro. C'est quoi ça? C'est pas beau. Ça, c'est pour la famille. Quand vous allez en randonnée et tout. Exactement. T'as besoin de ça pour. Tu mets des vélos dessus. Tu vas aller en montagne avec une Lamborghini. Bon, non, ça, c'est pas. Ça, c'est... J'ai envie de rentrer dans une Eros. Et de demander au monsieur si on peut rentrer dans une Eros. Juste une, c'est ça? Juste une. Le monde est jeune, il va être content. C'est pour ça qu'il travaille ici. Il travaille ici. Je veux au volant si on peut rentrer. Hein? Je veux au volant. Si on peut rentrer? Mais je sais pas. Je vais demander. On peut rentrer? Il y a une Urus. Juste. Ok. Si on peut rentrer, les gars. Hein? Celui-là, il n'est pas teinté. Tu sais que teinté, tu peux le faire. Hein? Tu le demandes et il le teinte. Il y a même des choses sur Amazon. Yeah, mais ça, c'est des papiers que tu colles toi-même. Tu sais? Nous, teinter, on veut vraiment teinter la vie. On n'a même pas le droit de teinter. Non, il y a un pourcentage. Oh, désolé. C'est ça, il y a un pourcentage que tu n'as pas le droit de faire ici. Ça dépend de la ville où tu habites. Il lâche tout la porte. Oh, il est venu en Tesla. Ah, il a acheté, ouais, je sais. Je te jure, le monsieur était derrière nous. Il était dans une Tesla derrière nous. Tu veux dire, il est venu et il a acheté une Porsche. On demande, c'est quoi son taf? Waouh. Ça fait quoi? You want to see the inside of Urus, you're gonna move it, so if you want to see the inside. C'est ça comment? Hein? Juste ça, toi. Ce genre, le bain. Ça sent le neuf, hein? Ouais. L'odeur d'une voiture neuf. Je sais pas trop. Dans les buissons. C'est pour ça? C'est pour le. Oh! Ouais. Il y a carrément des spots. Sport, ouais. Corsa, ça c'est le normal. Neve. J'ai vu tellement de vidéos, je sais qu'il y a un mode. Je pense. Attends. C'est Corsa. Corsa c'est quoi? Corsa, je pense que c'est le normal. Mais il y a Strada, Sport, ça c'est Sport. Hein. Corsa. Je sais pas, mais je sais qu'il y a des différents modes. Mais là c'est en Anima. En quoi? Anima. En quoi? Anima. Toi t'es censé savoir. Mais je sais pas, mais j'ai vu tellement de vidéos sur Urus. Regardez ça les gars, bisous. Regarde-moi.
Soon, ça va être un junior, ça. Et ça va être dans le garage. Et Bijou s'assoit dans ma virus. Soon, les gars. Touche pas trop le volant, s'il te plaît. Mais touche un peu, mais pas trop. C'est bon ? Hein ? Ouais. Le patron, il me regarde. Ok. Oui, oui. Il est d'accord, allez ? C'est bon. Bientôt. C'est facile à financer. Pardon ? Le financement, c'est facile. D'une URUS ? Tout est possible. Ouais. Ça va être 300 par mois en plus. Je crois que je... Ouh ! T'as entendu le bruit ? T'as entendu le bruit de ce bolide ? Les gars, waouh. Moi, je suis pas resté plus en vent que toi, hein. Parce que t'as entendu ce qu'il a dit ou pas? Son patron le regardait, et c'est un anglophone. C'est lui le patron de... Et lui, il a ta thune. Et lui qui était derrière lui, c'est le patron de ici. Ça, c'est clip vendu, les gars. Regardez ça. Vendu. Bijou. Pour quelqu'un a trouvé 350 000 $, plus t'as 500 000 $ pour acheter une Lambo Hurricane. 2023 en plus. C'est mat. Ok. T'aimes les couleurs qui sont. Oh. Ça, c'est bon. Lesquelles? D'abord, on va voir les défis. Waouh. C'est la même chose. Celui-là? Tu veux acheter ça à $500,000 beau? Non. Ça, c'est. Parce qu'il y a au-dessus. C'est quoi, Bijou? Ça, là, c'est quoi? Il va aller en randonnée en famille. C'est même pas en famille, Bijou, c'est à deux. Randonnée à deux. Ok, je commence à connaître le genre de couleurs que Bijou aime alors. Bijou aime les couleurs, genre noir. C'est la même chose que là-bas. On l'a déjà vu. Nice. Ah ouais. C'est 500 000 aussi? Ouais. Ok. Il a acheté ça. Oh, waouh. Bientôt, celle-là, ça sera écrit vendu. Et c'est moi qui viens la chercher. Et là maintenant, vous voyez ce que Bijou a fait tout à l'heure là? Ouais, toute noire, all black, avec les vitres teintées comme celle-là. Même couleur que celle-là, Bijou, elle devant là. Même couleur que ça. Ouais, black matte. Vitres teintées. Et ce que Bijou a fait tout à l'heure, assis là-bas dans la Lambo et tout là, il a juste touché le volant, il pourra le faire et il a démarré et faire le. Oh, hell no. Qu'est-ce qu'il y a en haut, bro? Mais ça c'est un peu plus compréhensible, ouais. C'est une 5 places familiale. LeBron James, Steph Curry. Ok. Ok, okay, non, dernier. Okay, ça fait trois que tu entends faire. Quoi? Voilà. C'est un peu dans la vie, là. C'est pas des voitures, c'est la voiture. Exactement, la même voiture. C'est ça le problème. Ça fait quoi? J'ai pas compris. Mais genre, tu veux que je te filme avec trois fois la même voiture? C'est différent. Là, les couleurs sont différentes, les modèles sont différents, les turbos sont c'est différents, le les chevaux sont différents. C'est pas encore la fin de la vidéo, mais si t'es resté jusqu'à là, écris le nom dans les commentaires. Et toi, Bijou, toi, tu veux qu'ils écrivent quoi? Une chose. Dis un mot. On t'attend, on va t'accueillir avec plaisir. Tu seras avec nous. Je t'aime, mon amour. Lamborghini. Je t'aime, mon amour. Regarde la voiture qui rentre. Waouh! Check le bolide qui rentre. Ça peut être un blanche, non? C'est trop. Ça, c'est une Porsche. Porsche JT. Ouais, t'avais raison en plus. Yes. Toi, t'aimes pas les bruits là? Les. Ça me fait peur. Moi aussi, avant, j'aimais pas, mais. Je comprends pas. Il y a des gens qui aiment ça, genre. Le plus ça fait de bruit. Waouh, j'aime le bruit, mais moi, je m'en fous. C'est juste. Je sais pas. On est bien arrivé à la voiture qui n'est pas une Urus, malheureusement. Malheureusement, pas encore, bien sûr, pas encore. Mais dis-toi, pour acheter une Urus, hein, si elle coûte minimum $300 000, tu dois avoir à peu près $300 000 fois... 1 million dans ton compte. Ouais, mais non. Même plus. Qui est bête pour avoir 1 million de dollars dans son compte en banque et déposer $300 000 pour une voiture? Tu dois genre avoir... Ou faire du financement. Ce que tu veux. Non, okay. Si on va au truc. Oh purée, j'ai eu peur. Il m'a montré 2 heures de route à faire pour rentrer à la maison. Ouais. Mais ouais, je prends une Urus, ok. Je mets genre 90% de l'argent et là le reste je le perds en financement. 70% de l'argent. Est-ce que tu auras ta plaque à toi ou non? Comment ça, la plaque à moi? Ouais. Ça serait loué.
Ah non, what? Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu vois, des fois, on voit des plaques. Oui. Plaque F? Ouais. Non, mais je... acheter une russe, j'ai dit. J'ai pas dit louer. Oh, ok. Okay. Acheter une russe. C'est 300 000 dollars, non? Je mets 200 000 dollars. Comme si je les ai. Mais c'est juste que, ouais, c'est une des voitures, genre, Urus, là, c'est vraiment un beau bolide. Dites-le dans les commentaires, ceux qui s'y connaissent en voiture, là, si vous aimez les Urus, vous aimez quoi comme bolide, comme Lambo, Lambo Hurricane, Lambo Euro, Lambo Euro, ça existe même? Evo, je sais que ça existe. Il y a quoi d'autre comme modèle? Lambo, vous avez posté la vidéo de Rolls-Royce, là, je sais qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui s'y connaissait en voiture. Il y a un bougle, il a dit, moi, j'aime trop la Rolls-Royce Wraith. J'ai oublié quoi, Cullinan et tout, mais en Belgique, on n'a pas le droit d'en avoir, un truc comme ça. Ça après, à la fin, là, il a dit au boss, à son boss, j'ai vendu ça à Soldad, à Solid, c'est ça? Ouais. Genre, t'as vendu une voiture à 300 000 dollars comme ça. Genre, t'as vendu une voiture à 300 000 dollars. Genre, attends, est-ce qu'il y a des clients, c'est courant de. J'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que c'est courant de vendre une Lambo? Genre, c'est courant, quelqu'un vient. C'est rare. Ah, bonjour, je vais acheter une Lamborghini aujourd'hui. Laquelle vous voulez, monsieur? J'ai un budget de 1 million de dollars, je ne sais pas laquelle. Ok, monsieur, j'ai une Urus ici pour vous. J'ai une truc, 300 000 dollars, 600 000 dollars, ça rentre dans votre budget. Ok, je vais prendre celle-là. Je suis fatigué, je n'ai rien à faire, j'ai 1 million de dollars à dépenser. Genre, c'est courant? Moi, c'est juste parce qu'on n'est pas encore. On vit pas dans ce monde-là, au fait, qu'on n'est pas au courant de ça, au fait. Parce que. What? C'est fou, ça. Imagine se permettre une Lamborghini. Se permettre de payer une Lamborghini. That's crazy. Mais bon, les gars. Écrivez dans les commentaires c'est quoi votre voiture préférée. Même si c'est pas une Lamborghini ou quoi que ce soit. Juste écrivez dans les commentaires c'est quoi. Et puis on... Est-ce qu'ils sont en train de louer des lambeaux de livrer des lambeaux là? S'ils tournent, ils livrent des lambeaux. Ils tournent? Non? Ok. Et on va aussi voir Lotus là. Oui, il tourne. Il va entrer. Il est bise. Après, il fait un U-turn. Ouais. À l'intérieur, comme ça, il y a des lambeaux. Mais bon les gars, voilà, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et peace pour une nouvelle vidéo.